Et victoire du Grand Galion ! 7 461 pour nous contre 7 210 pour les Rats. C'était serré, mais on l'a fait. Bravo à tous nos membres, vous voyez leur pseudo apparaître, et particulièrement Infinity qui culmine à 255 000 points, ce fou. Après quelques jours de test, c'est rapidement sa stratégie qui se démarque dans notre guilde. Et oui, pendant que nombre d'entre vous se battaient avec Tristepin, nous visions la première place avec la voix haut et le puissant dragon Faerys. Ce build a vu le jour en deck 12 avant de voir de nombreuses variantes apparaître, comme la Camar, la deck 15, ou encore la deck 15 Camar, pour les plus fous. J'ai moi-même fait mon meilleur score, 220 000, avec cette dernière. Mais le sommet des 255 000 points a été fait par le Maestro Infinity avec la version d'origine, le deck 12 classique. Ce n'est pas ce combat que je vais vous présenter, laissons un peu de mystère. Mais un score de 236 000 points, réalisé bien entendu par Infi, ici avec la version deck 15. 4 PA de réserve au début du combat grâce au gel anneau et obstiné. On commence sans surprise avec le laboratoire et on attaque pour générer nos premières auras. Attention à ne pas taper avec le second nocturien, afin de laisser de la place dans votre main pour le nocturien gratuit du prochain tour. On utilise nos sorts hauts pour vider au maximum notre main et essayer de ne pas perdre de Noctu. Puis, on attaque Sally avec nos invocations, générant ainsi les derniers élixirs, avant d'invoquer plus de Nocturiens avec Sally et Cadence. Les coups critiques de ces deux dernières donnent des jauges hauts supplémentaires, mais on manque de chance pour le moment. Un coup critique de Sally nous monte à 7 jauges au tour 3. Et le sort à 5 nous permet d'atteindre les 9. Le coup critique de celui-ci nous donne une troisième jauge, mais celle-ci est perdue à cause de la limitation. On gagne tout de même un élixir bonus. Il est temps d'invoquer Faerys. Et là nous sommes tous jaloux d'Infinity puisqu'il n'a pas runé le sort de celui-ci et sa main reste donc libre. On attaque ensuite ce dernier pour laisser la place, et nos PA commencent à grimper. On se débarrasse ainsi de la fiole pour faire de la place aux Nocturiens au tour prochain. Tour 4, il est temps d'aller chercher Jash. Même pas mort sur Cadence, transformation sur Sally, rien de plus simple.
Au tour 5, tous nos PA nous permettent même de protéger Faerys pour libérer la place et invoquer toujours plus de Nocturiens avec Cadence qui revient en jeu. On enchaîne les flux et le quatrième crit, c'est bon pour le score ça. On termine bien entendu le combat en achevant Jash, celui-ci infligeant dans les 6000 dégâts à sa mort. Abonnez-vous et à très bientôt dans le monde des 12.